De quel droit je me permets, je suis un être humain et ça me suffit. Avec mes vers, j'emmène de l'engouement. Parfois, ils prévisent les deux. C'est fait, le championnat national interuniversitaire de slam lance sa première édition autour du thème le slam au service de la paix et de la refondation à travers le numérique. C'est une initiative de Souri Camara, dit Kamso le parolier, qui vise à propulser le slam malien. Le championnat national interuniversitaire de slam, Sénisme 2021, est une compétition qui est initiée par ma modeste personne pour faire la promotion du slam dans le milieu universitaire. Les gagnants de cette phase demi-finale, qui seront au nombre de 10, dont 5 pour les universitaires et 5 pour les enfants slam, les adultes acclament, vont s'affronter en finale le samedi 20 novembre 2021. Bon, pour cette demi-finale, les universitaires sont au nombre de 11 personnes. Voilà. Et les tout petits aussi sont au nombre de 10 personnes. Donc, à la suite de cette demi-finale, pour la finale, nous allons retenir 5 personnes dans chaque catégorie. C'est religieux qui pense qu'être femme, c'est... Je ne juge pas ce religieux qui pense qu'être femme, c'est aussi mon foyer. Non, je ne peux pas les juger. Je ne juge pas non plus cette société qui nous attribue le rôle d'enfanter. C'est ça la mentalité. Cette initiative est bien appréciée par les slameurs. Selon Foussine Sall, l'un des participants, elle sera d'un atout pour leur carrière artistique. Bon, je pense que c'est une très belle initiative parce que ça aide à promouvoir le slam à l'échelle internationale et ça aide aussi les jeunes de se côtoyer un peu plus et aussi de montrer leur savoir-faire dans les jours à venir. Pour rappel, le championnat national interuniversitaire du slam coïncide aussi avec une deuxième compétition lancée par Souri Camara qui s'intitule « Les enfants slam, les adultes acclament ».